On part de la partie basse de la ville, hein, au bord de la mer, hein, carrément, et à un moment donné, on monte une côte qui est en sens interdit normalement, qui passe à travers les fleurs, qui est très raide, avec, je crois que c'est des pourcentages de 10 ou 15, 10, entre 10 et 15%. Et quand on refait donc la descente, il y a un virage qui est très serré, où là, techniquement, il faut savoir le prendre. Et celui qui va le prendre le plus vite peut gagner quelques secondes. Et ça, c'est très important. Il faut être très puissant, très bon techniquement, et avoir la résistance pour faire les 15 km au maximum. Pour eux, ça va être très dur, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'arriver au départ du tour en étant en petite forme. Le premier jour est déjà très très important. On ne peut pas perdre 15 secondes ou 30 secondes, surtout pour tous ceux qui sont les prétendants à la victoire finale.